Nous lisons Pierre, chapitre 3, les versets 8 à 14. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puis, tout notre monde doit être dissous. Combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites vos efforts pour qu'il vous trouve dans sa tâche et irréprochable dans la paix. Nous sommes toujours dans le temps de l'Avent, le deuxième dimanche de l'Avent. Et qu'est-ce que nous célébrons à l'Avent? Vous rappelez ce que signifie l'Avent finalement? C'est avant quoi? Avant? Mais le vrai sens de l'Avent, parce qu'on pourrait penser que c'est avant Noël, mais en réalité le sens c'est pas ça. Voilà, en tout cas, c'est la venue, ça vient d'un mot latin qui veut dire la venue du Christ. De la même manière qu'à Noël, Jésus est venu une première fois, eh bien, nous attendons, nous méditons à l'occasion de l'Avent, la deuxième venue du Christ, ce qu'on appelle traditionnellement le retour du Christ, la fin du monde, la fin de l'histoire. Voilà un peu la perspective. Et encore aujourd'hui, nous avons un texte du jour, un passage qui nous parle de ce mystère qui est le retour du Christ. Alors, c'est une question qui, déjà à l'époque, posait problème aux premiers chrétiens, puisque, comme le dit Pierre, Jésus avait, semble-t-il, annoncé son retour proche, et les premiers chrétiens n'ont pas vu venir aussi rapidement qu'ils le pensaient. Et du coup, voilà, Pierre les rassure en disant, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Donc, voilà, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et encore aujourd'hui, c'est vrai que la perspective du retour du Christ, ça peut nous poser question, et je crois que ça nous renvoie au moins à trois difficultés. Trois difficultés que nous allons aborder rapidement. La première difficulté, c'est son caractère irrationnel. On en a un peu parlé dimanche dernier, mais je voudrais y revenir un instant. La deuxième difficulté, je crois, que pose la perspective du retour du Christ, c'est également la question du jugement et du sort de chacun. Et la troisième question difficile, c'est le statut, finalement, du monde présent, puisqu'il y a un autre monde qui nous est promis après. Alors, évidemment, c'est trois questions qui sont pas évidentes, et je préférerais, pour tout vous dire, qu'on médite des textes qui nous parlent d'amour, de solidarité, de respect de la création, des choses plus consensuelles. Mais je crois que c'est aussi intéressant de suivre les textes du jour et de nous confronter finalement à des questions qu'on se pose, mais qu'on n'ose pas forcément aborder parce qu'elles sont difficiles. Allez, on commence avec le caractère irrationnel de la perspective du retour du Christ. Et je voudrais faire un petit parallèle avec la question de la résurrection. La résurrection du Christ et la perspective de notre propre résurrection, ce sont des choses difficiles à imaginer, difficiles à appréhender et qui sont finalement irrationnelles. Mais est-ce que c'est si irrationnel que ça? En effet, prenons la résurrection. Je crois que nous avons tous fait l'expérience dans nos vies de résurrection, de ce que j'appellerais des petites résurrections. Des moments où on a l'impression qu'on est au bout du rouleau, on ne voit plus comment on va faire pour continuer à vivre, à avancer. On a l'impression qu'on est mort finalement intérieurement. Et puis mystérieusement, presque miraculeusement, la vie reprend le dessus. Et ce sont finalement, je crois, des expériences de petites résurrections. Alors pourquoi ne pas considérer que, eh bien, un jour, même notre mort physique ne sera pas le dernier mot et que, même si c'est difficile à imaginer, eh bien, une résurrection pleine et entière nous soit promise.
eh bien, je fais un peu le même parallèle et on peut voir un peu le retour du Christ de la même façon. Finalement, qu'est-ce que c'est que le retour du Christ ? Le retour du Christ, c'est voir Dieu face à face. C'est être dans la présence du Christ. C'est la venue de la justice. C'est le bien qui est récompensé et le mal qui est sanctionné. C'est ça le retour du Christ, en fait. Et ce sont des choses dont on fait déjà l'expérience. On fait l'expérience de la présence du Christ. Quand on partage la scène, par exemple. Ou dans une situation de deuil ou d'épreuve, on reçoit la consolation du Christ. On fait aussi l'expérience du fait que quand on fait quelque chose de bien, tôt ou tard, il y a une récompense. Et quand on fait quelque chose de mal, eh bien, tôt ou tard, on en subit le retour de bâton et des conséquences. Donc, c'est des choses, finalement, dont on fait l'expérience. Et le retour du Christ, eh bien, c'est tout simplement ces expériences-là, mais à un niveau plus fort, plus radical. Donc, finalement, c'est pas si irrationnel que ça, puisqu'on en fait déjà tous l'expérience. Donc, premier point, par rapport au caractère irrationnel, je crois que la perspective du retour du Christ n'est pas si irrationnelle que ça, parce que finalement, ça nous renvoie à des choses dont on fait déjà l'expérience et qu'on expérimentera finalement de manière pleine et entière un jour. Voilà, les larmes qui seront séchées, la consolation, la justice, le bien récompensé. Je passe à la deuxième difficulté, et non des moindres, c'est la question du jugement et du sort de chacun. Où est-ce qu'on ira? Où est-ce que les personnes que nous aimons iront? Est-ce qu'on retrouvera les personnes que nous aimons dans le monde d'après? Voilà, autant de questions qui sont évidemment pas évidentes. Alors, par rapport à cette question, on peut notamment... Alors, évidemment, je le dis tout de suite, dans la Bible, il n'y a rien qui nous indique que la chanson de Michel Polnareff, « On ira tous au paradis », soit conforme à ce que nous lisons dans les Écritures. Effectivement, nous lisons dans les Écritures, il me semble, que certains recevront la vie éternelle et d'autres ne la recevront pas. Et pour ceux qui ne reçoivent pas la vie éternelle, eh bien, il est question d'une forme de punition. Alors, il y a un débat dans l'histoire de l'Église de savoir si il s'agit de souffrances éternelles ou s'il s'agit plutôt de disparition, ce qu'on appelle une annihilation. Je serais plutôt partisan de la deuxième option, mais toujours est-il que le sort réservé à ceux qui n'ont pas accès à la vie éternelle n'est pas un sort enviable. Et voilà, je crois que c'est ça qui pose peut-être difficulté. Comment concilier l'idée d'un Dieu d'amour avec l'idée d'un jugement où certains n'auront pas accès à la vie éternelle? Eh bien, ce que je dirais, c'est que on reproche souvent à Dieu de ne pas nous faire vivre dans un monde parfait, dans un monde idéal. On reproche souvent à Dieu les souffrances, les injustices, le fait que nous ne vivons pas finalement dans un monde idéal. Comment un Dieu d'amour peut-il supporter un monde qui n'est pas idéal? Eh bien justement, le retour du Christ marquera la venue d'un monde idéal. C'est ça finalement qui nous est promis. C'est un monde enfin juste et enfin délivré de la souffrance. Et c'est vrai que dans ce monde idéal, il n'y a pas la place, c'est vrai, pour ce qui s'oppose finalement à la justice, à l'amour, à la vérité. Dieu voudrait que tout le monde reçoive la vie éternelle, mais dans ce monde idéal, forcément, il n'y a pas la place pour autre chose que l'amour. Et voilà, dans notre passage que nous avons lu, nous lisons ce passage, hein. Voyez à la fin du verset, Dieu fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance, à la remise en question. C'est-à-dire, deviennent bien disposés, reconnaissent ses limites, reconnaissent ses imperfections, reconnaissent son besoin de Dieu, et finalement soient bien disposés. Disposés à vivre dans la justice, disposés à vivre dans la vérité, disposés à vivre dans l'amour. Et effectivement, ceux qui rejettent tout ça, qui donc rejettent Dieu, qui est la justice, qui est la vérité, qui est l'amour même, eh bien, n'auront pas accès à la vie éternelle. Et quelque part, je crois que par rapport à un Dieu d'amour qui veut libérer ce monde du mal, je crois qu'il y a une certaine logique. Alors, par rapport à la question du jugement, je crois qu'il faut avoir trois points en tête. Le premier point, c'est que Dieu est juste.
Dieu est amour et il n'y a aucune raison pour que son jugement soit sévère. Si quelqu'un n'a pas accès à la vie éternelle, c'est que voilà, c'est pas pour rien et c'est quelque part quelque chose d'incontestable et de totalement justifié. Sachant que Dieu voit tout, Dieu sait tout, il connaît nos souffrances, il sait aussi ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et voilà, je crois qu'on peut lui faire confiance quelque part par rapport à ce jugement. Ce jugement, c'est une bonne nouvelle, c'est pas une mauvaise nouvelle. Deuxième point, vous connaissez cette parole, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire tous ceux qui auront suivi l'alliance de leur baptême, même s'ils ont fait des erreurs dans leur vie, eh bien, sont promis à la vie éternelle. Et enfin, troisièmement, évidemment, Dieu peut tout pardonner jusqu'au dernier moment à ceux qui le lui demandent, et le pardon de Dieu, il est toujours total, sans retour, et voilà, tout est effacé. Donc, c'est pas une perspective, il n'y a pas de sévérité en Dieu par rapport à cette perspective du jugement, c'est au contraire une bonne nouvelle, et c'est finalement la venue des nouveaux ciels et d'une nouvelle terre où la justice habitera. Je passe au troisième point, et un reproche qu'on a souvent fait au christianisme finalement, c'est de faire la promesse d'un autre monde qui relativiserait du coup le monde présent. On a souvent reproché aux églises, au christianisme d'avoir dit ben, acceptez de souffrir dans ce monde puisque vous serez récompensé dans le monde d'après. Acceptez de souffrir dans ce monde parce que ce monde est provisoire. Et c'est vrai qu'on peut entendre cette critique et je crois qu'elle est... Parfois il y a eu cette dérive dans l'histoire de l'Église et du christianisme. Mais pour autant, je crois que ce n'est pas justifié à partir de nos textes. La perspective du retour du Christ ne veut pas dire mépriser le monde présent. Et j'ai envie de dire bien au contraire. Bien au contraire, on va le voir à la lumière du texte de la deuxième lettre de Pierre que nous avons lu. À partir de deux versets, je vais commencer avec un premier verset que je vais vous lire dans la version que je vous ai lue. Voilà, le jour du Seigneur viendra avec fracas, et je vous lisais à la fin, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Mais vous savez que, au moment où on élabore une édition de la Bible, il y a des choix qui sont faits au niveau des manuscrits. Il n'y a pas de version de la Bible connue et entière, de version du Nouveau Testament en grec en entier, jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Ce qui veut dire que, avant, on a juste des manuscrits, et les manuscrits ne sont pas toujours d'accord entre eux. Il y a plusieurs versions, en fait. Et donc, par rapport à ce texte, il y a plusieurs versions qui existent, et je vais vous lire la version qu'a choisi une autre traduction de la Bible, la Nouvelle Bible Seconde. Voici ce que nous lisons, le même verset dans la Nouvelle Bible Seconde, et regardez ce qui est à la fin. « Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec ses œuvres, sera mise à découvert. » Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose, parce que avec la première version, on a l'impression que le texte que nous avons lu dans la lettre de Pierre parle et dit que la terre sera complètement détruite, rasée et que ce sera complètement un autre monde. Et si on prend finalement la version de la deuxième version, eh bien ça veut plutôt dire, le passage globalement veut plutôt dire qu'en fait il y aura une purification. C'est-à-dire que c'est ce monde qui nous attend, mais purifié du mal. Et je crois que cette version est plus juste parce que, eh bien, il y a d'autres textes qui parlent du jour du Seigneur et de la fin de l'histoire qui vont plutôt dans ce sens, c'est-à-dire le sens non pas d'une destruction de ce monde, mais plutôt d'une purification. Ce qui veut dire que ce monde sera en fait purifié du mal, et ce qui veut aussi dire que tout ce que nous aurons construit de bien, eh bien, restera et sera éternel. Ce qui veut dire, si on retient cette vision des choses, eh bien que nous sommes invités dans la perspective du retour du Christ, non pas à mépriser ce monde, à fuir le monde ou à nous désintéresser de ce qui s'y passe, mais à construire ce qui sera éternel. Et donc ce n'est pas du tout une invitation à fuir le monde ou à le mépriser. Et le deuxième argument en faveur de cette vision aussi, c'est un autre verset que nous avons lu. Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. Voyez que dans le attendez et hâtez, il y a cette idée que le retour du Christ
Christ est conditionné par notre propre démarche. Et donc, ce n'est pas une attente comme on attendrait chez le docteur dans la salle d'attente que le docteur vient nous ouvrir. C'est plutôt une attente dynamique. Et c'est d'ailleurs, souvent on a, par rapport au retour du Christ, on a l'image d'un mariage, d'une rencontre. Donc le retour du Christ, c'est pas, on attend comme ça que ça se passe. Il est conditionné en fait par nos actions, par le fait que nous répondions aux appels de Dieu, par notre propre dynamique. Et donc le retour du Christ, c'est une rencontre, et c'est pas du tout, il consiste pas finalement à être dans une forme de passivité. Donc vous voyez que la perspective d'un nouveau monde et d'un monde d'après, c'est pas un encouragement à abandonner ce monde, c'est plutôt un encouragement à ce que ce monde déjà ressemble plus que possible, eh bien, à ce que sera l'éternité, c'est-à-dire un monde juste, un monde où règne l'amour, un monde où règne la paix. Voilà. Vous voyez, chers amis, par rapport au caractère irrationnel de ce temps, eh bien, je crois que finalement, quand on y réfléchit, la présence pleine et entière du Christ, la venue de la justice, c'est quelque chose dont on fait tous déjà partiellement l'expérience. Et donc, pourquoi ne pas envisager que nous le vivrons un jour pleinement, même si ça paraît difficile à imaginer et à concevoir. Autre élément par rapport au jugement, eh bien je crois que ce temps de jugement, c'est avant tout un temps qui est positif. C'est une bonne nouvelle, ce jugement. C'est la venue finalement du monde parfait dont nous rêvons et auquel nous aspirons. Et donc, je crois que nous sommes invités à ne pas avoir peur de cette perspective mystérieuse du retour du Christ, mais plutôt à aller vers ce temps. Et finalement, cette logique de hâter la venue du retour du Christ, c'est finalement une invitation à aller vers ce jour. Et bien sûr, la bonne nouvelle, c'est que plus tôt nous irons, plus vite il viendra. Amen.